Bonjour à tous. Si le début d'étape est propice à la formation d'une échappée matinale, le final, en revanche, sera un terrain de jeu idéal pour les équipes de sprinteurs qui mettront tout en œuvre pour provoquer un sprint massif. Bon rouleur, avec un punch pas trop mauvais, il doit quand même essayer de faire la différence avant la fin car il ne va pas vite au sprint. Il a demandé à ses équipiers de gérer l'écart. Il veut sans doute jouer la victoire au sprint. C'est bien, t'as remporté le dernier grimpeur. Ça évite que nos concurrents ne prennent trop de points. T'es parti seul, vu le profil, c'est un peu mission impossible. J'espère que tu vas recevoir du renfort. Il va rouler pour ne pas que ton équipier rentre et qu'on soit trop nombreux à l'avant. Gère bien ton effort. Ça va être difficile de lutter tout seul face au peloton. Tes équipiers se sont placés en tête de peloton. Ils vont sûrement gérer l'écart pour finir au sprint. L'écart reste stable entre le peloton et l'échappée. Les équipiers se sont placés en tête de peloton. Ils vont sûrement gérer l'écart pour finir au sprint. C'est l'heure du ravitaillement pour la tête de course. L'écart augmente. C'est bien d'avoir placé du monde dans l'échappée. On n'a pas besoin d'assurer le tempo. La tête de course est à 5 km du sprint intermédiaire. Ah, les étapes de plaine. Pas étonnant qu'elle ne passe pas en entier à la télé. Il fait rouler son équipe pour arriver au sprint. C'est pas le moment de traîner en queue de peloton. Il fait rouler son équipe pour arriver au sprint. C'est pas le moment de traîner en queue de peloton. On dirait que l'échappée en a gardé sous la pédale. Elle arrive encore à creuser l'écart. Il fait rouler son équipe pour arriver au sprint. C'est pas le moment de traîner en queue de peloton. 1:30 de retard pour le peloton sur la tête de course. Dernier pointage avec l'échappée. 1:00. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Regroupement général. Tout va donc se jouer dans le final. 10 km.
On se dirige vers un sprint massif. Je compte sur vous pour gagner l'étape et conforter notre maillot vert. C'est bien. 10 km de l'arrivée, les gars. Restez bien placés pour éviter les chutes. D'accord. Je l'attends. Ok. Je viens de protéger. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Que 5 km. Préparez-vous au sprint. Je dois gagner pour assurer le maillot vert. L'emballage final se prépare, les sprinteurs sont aux avant-postes, ils ne vont pas tarder à produire leur effort. Allez, un kilomètre, faut tout donner dans le sprint. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. C'est un moment... Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas... Bravo les gars, vous avez fait une très bonne étape. Finir dans le top 5 alors que l'étape ne nous convient pas, je suis extrêmement satisfait. Thank you.